Mercredi 8 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout voir, tout savoir de l'info près de chez vous. Aujourd'hui, les prévisions en météo de ce mercredi. Après les orages et les averses hier soir, c'est une journée plus calme que l'on peut vous annoncer. Avec un peu d'air du vent d'ouest, il fera nettement moins chaud, les températures sont en baisse. 21 degrés à Dunkerque et à Calais, 23 à Saint-Omer, 25 à Lille. Côté ciel, on alternera entre perturbations nuageuses et éclaircies. On restera à l'abri des précipitations. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, comme un symbole des déserts médicaux en France et dans la région, à Andres, au sud de Calais, le médecin généraliste a récemment quitté son cabinet et alors qu'une praticienne devait prendre sa suite, celle-ci s'est finalement désistée au dernier moment. Voici comment près de 5 000 personnes se retrouvent aujourd'hui sans médecin traitant. Le premier est à 15 minutes en voiture et tous les habitants à Andres n'ont pas forcément de véhicule. Depuis plusieurs jours, le maire de la commune est donc à la recherche d'un docteur. Après avoir tenté de recruter, son succès pour l'instant, des médecins francophones étrangers, le maire souhaiterait nouer un partenariat avec l'hôpital de Calais pour que des médecins se relaient dans sa commune. Explication au micro de Corentin Escaillé. Le docteur Prévost avait une clientèle qui était une clientèle à la fois familiale et de campagne. Donc, retrouver le même style d'activité, c'est compliqué. On est très peu desservi en médecin, il n'en reste qu'un. Malheureusement, lui, il a déjà sa clientèle. Donc, reste le potentiel de Calais. Mais bon, les gens doivent se déplacer. Deux cabinets offrent les possibilités de recevoir la clientèle de Monsieur Prévost, c'est-à-dire à Saint-Inglevert et à Fréthun, et on relaye pour l'instant les gens qui sont en demande vers ces cabinets. On enchaîne avec un rappel concernant les restrictions de consommation d'eau dans la région. Le département du Nord a d'abord été placé en vigilance sécheresse le 23 juillet dernier, puis en alerte le 31 juillet. Il s'agit donc du deuxième échelon sur 4 que compte cette unité de contrôle. 507 communes sont donc aujourd'hui concernées par ces interdictions. Dans le Nord, le Pas-de-Calais lui est moins impacté. La préfecture a pour l'instant émis un simple appel à la citoyenneté. Explication quant à la valeur de cet arrêté avec une responsable de l'agence de l'eau que nous avons joint par téléphone. Pour le moment, ils l'ont pris jusqu'au 31 décembre, ne sachant pas à quel moment la situation pourrait s'améliorer. Sachant que l'amélioration, même s'il pleut, c'est sûr que les gens, du coup, n'auront plus à arroser, mais néanmoins, si on parle des eaux souterraines, la recharge des eaux souterraines se fait de toute façon en hiver, en automne et en hiver, donc à partir de, je veux dire, novembre. Donc de toute façon, même s'il pleut ici fin août ou en septembre, ça ne va pas recharger les nappes, quoi. On va continuer à. La vidange des nappes se poursuit. Bon, ça, c'est traditionnel tous les ans, hein. Les arrêtés, à mon avis, ils pourraient courir jusqu'à l'automne, quoi. Et sachez qu'en cas de non-respect de ces consignes, les peines peuvent atteindre 1 500 euros d'amende. Et si cela s'aggrave, bien évidemment, si la sécheresse s'aggrave cet été, le département pourra prendre des mesures encore plus drastiques. Le grand angle de la rédaction a à présent la découverte d'un bâtiment historique, marqué en tout cas par l'histoire, qui a notamment servi de poste de commandement durant la Première Guerre mondiale et qui est aujourd'hui un hôtel de luxe à Cassel, la Châtellerie de Schubeck. Visite offerte par ce reportage, signé Alexis Tessier. Dans le centre de Cassel, la châtellerie de Schubeck est un lieu chargé en histoire. Construit dans les années 1760 par l'anglais de Schubeck, le premier maire de Cassel, guillotiné pendant la Révolution, depuis, la demeure a connu plusieurs vies. Ça a été repris par une famille de notaires qui s'appelait la famille Descott. Donc là, eux aussi ont eu beaucoup d'enfants et ça a été toujours une maison familiale. Et vers les années 1960, tout cet établissement a été commercialisé. D'abord par un restaurant et ensuite une boîte de nuit. Et c'est devenu un hôtel 4 étoiles il y a une dizaine d'années. La châtellerie de Schubeck compte aujourd'hui 12 chambres. Toutes sont décorées très différemment. On peut retrouver par exemple une ambiance chinoise, mais une attire plus l'attention que les autres. On l'appelle la suite Foch.
pendant la Première Guerre mondiale avec la famille Descott. C'est une famille qui a hébergé le maréchal Foch pendant 3 mois, donc pendant la bataille du Mont Carmel. Et le maréchal Foch est venu donner ses ordres ici, il logeait ici. Il a reçu beaucoup de généraux, comme on le disait, en bas dans le salon. Et on a, ça a été refait à l'identique au niveau de cette chambre. Autre atout de l'hôtel, une vue imprenable sur les Flandres. De la salle de restaurant, on peut voir jusqu'à 80 km. À nous, la force, c'est qu'ici, à Cassel, il n'y a pas... Voilà, c'est un coin un peu caché, un peu retiré. On est ici à l'abri des regards. On n'a pas beaucoup de vis-à-vis. Et puis, on a la tranquillité ici de la campagne. Donc, et c'est encore une fois cette formidable vue. C'est l'atout majeur de l'hôtel, les clients, la première chose. Quand on arrive dans la salle panoramique, on voit la vue, voilà. Que ce soit l'été ou quand on a un climat comme ça et une vue magnifique dégagée, que ce soit l'hiver quand c'est la neige, voilà, c'est l'atout majeur et on a toujours de superbes retours là, sur cette vue. Pour passer une nuit dans cet hôtel, comptez environ 100 euros. Pour terminer, nous vous proposons aussi de découvrir les trésors et les légendes de la région, mais en version 2.0 avec Immersion, un nouveau concept développé à Lezen, près de Lille. Au programme 2 heures d'aventure et 4 épreuves, et escape game, réalité virtuelle, et épreuves tactiques et dépassement de soi. Une manière de découvrir la région et son histoire de manière ludique et moderne, de travailler les valeurs d'équipe et de solidarité, car le jeu se prête à toutes les générations, que ce soit entre amis, en famille ou avec ses collègues. Nous avons suivi une épreuve en phase de test qui devrait ouvrir au public très prochainement. On écoute la co-gérante d'Immersion au micro de Nicolas Lebrun. On a 3 parcours en permanent et tous les 6 mois, on essaye de changer, mettre un nouveau parcours. Entre 6 à 8 mois maximum, vous avez un nouveau parcours qui ouvre, et ce qui permet de découvrir encore un peu la région. C'est une manière même un peu plus ludique, puisque déjà c'est basé sur des histoires vraies. Donc tout ce qu'on vous donne comme information, c'est des éléments historiques, des éléments de recherche. Donc voilà, ça vous permet de découvrir et en même temps de vous amuser. Donc voilà, c'est un combo entre les deux. Effectivement, si vous ne vous aidez pas, ça va être compliqué. Il va falloir partager vos informations. Justement, chaque aventurier va pouvoir à un moment donné se mettre un peu en avant. Il y en a qui vont être plutôt nouvelles technologies, ils vont être très très bons dans cette investigation-là. À l'inverse, ils seront peut-être un peu moins bons dans la réflexion ou la stratégie. Donc il va falloir combler et chaque équipe, du coup chaque membre de l'équipe à part entière, va pouvoir trouver sa place dans l'histoire. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations en images. L'info continue avec vous sur votre chaîne d'actualité dans un instant. Également vos prévisions météo, merci de votre fidélité.